Hoyo à tous, ici Lou et bienvenue dans l'autre façon de jouer pour un nouvel épisode du Lou en show numéro 2 sur Amnesia. Amnesia, donc on vient de récupérer. Putain, mais il y a des mobs partout. Ok. Bon. On va le faire avec les mobs. On a juste à courir, nous. Ah, ouf, ça fait mal ça. Allez, cours, cours, cours. Et cours plus vite, on voit rien. Ok. C'était pas une bonne idée. Bon, pour l'instant, voilà. C'est dur à éviter aussi ces mobs. Je suis où? Je suis là, ok. On recommence. Là, je cours dès le début. C'est bien parce qu'ils remettent pas. Cuisine. Hop, on suit la cuisine. Cuisine. Cuisine, c'est par là. Hop, cuisine. Cuisine, ça va être par là. Ok, cuisine. On a besoin d'aller à la cuisine. Là, c'est le stockage. Stockage, ok, la cuisine. On veut la cuisine. La cuisine, c'est pas par là. Cuisine, c'est par là. Ok. Nickel. On a plus de portes. Et merde. Ok, bon bah, je vais vite. Hop. Voilà. Garde l'acide sans risque. Bon, maintenant faut qu'on arrive à utiliser l'acide. Bon, toi je t'aime pas. Quoi? Mais c'est qui court vite ce con? Allez, bon, faut qu'on trouve. Il y avait un endroit. Ah, évidemment, maintenant on est complètement blessé, on court pas vite. Il va nous rattraper sans problème. Il va nous démonter. On peut pas se cacher. Voilà. J'ai envie de dire, il n'y avait pas grand chose que je pouvais faire là. On pouvait pas se cacher. Enfin si, je pense qu'on pouvait se cacher. Ouais, j'y suis peut-être allé un peu trop yolo. Wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est par là, stockage. Ok. Je pense que vu qu'on a avancé dans le jeu, ça a avancé. Ça fait. Je sais plus où est-ce que c'est, où il y a une serrure pas très solide. Non, c'est pas là. Ça doit être plus loin. Ouais, c'est là. Je me souviens. Ah. Elle est en mauvais état. Ok. Et eh ben. Hop, on va la faire fondre. Ah ah. Ça suffit pas. Voilà. Ok. Ah ah. Tu m'auras pas. Bon, on va où? Entrer dans le réservoir. Bah, on rentre dans le réservoir. Ça m'a l'air pas mal. Ok. Nouvelle zone. Nouvelle zone. Ok, on va faire. On va éteindre ça. On va éteindre ça. Ok. Not today. The flow is seasonal, and when the spring runs dry, the damp tunnels produce a rather poisonous type of fungi. There is an antidote, of course, but we won't be bothering with it today. Come, this way instead. We're almost there. Ok, ça ne va pas bouger, comme par hasard. Bon. Alors. Donc, il y a un champignon toxique. Ça a l'air super. Par là, il y a quoi? De l'eau. Ok, l'eau est trop profonde pour pouvoir traverser sans risque. Youpi! Ça commence bien. Alors ensuite, de l'autre côté, il y a quoi? Il y a... C'est quoi ça?
Faut graisser les engrenages. Où sont les engrenages? Mais y a rien d'autre en fait. Eh mec, y a rien. Y a rien d'autre. C'est beau ça. Drainage d'huile. Ah bah voilà. De l'huile. Mais de l'huile. On a ça. Super. Bon vas-y. Où les engrenages? Dis ça là-dessus. Voilà. Tada. Ah, suis pas. On va la remonter. Il y a ça qui gêne. Un tuyau cassé bloque l'échelle. Un peu endommagé. Oh, on peut le casser? Cool. Non. Mince, j'ai pas eu le temps de dire ce que ça faisait. Hop. Ok. Ah. Ok. Ça le casse de plus en plus. Continue. Touk. Voilà. Bon, on monte. Parce que il y a que là qu'on peut aller. Pour l'instant. Ça serait bien d'aller ailleurs, mais on peut pas. C'est quoi ça? Ça fait des trucs. Non, ça fait absolument rien. Bon, bah salle de contrôle. Allez hop, on va dans la salle de contrôle. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? Ça, je me souviens plus du tout. Pervers, comment est-ce que nous avons trouvé ce point? Un old friend back in Algiers. Un vieil ami de retour à Algiers. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Il est mort, quoi. Je suis sûr qu'il est mort. Ok. Une porte. Bon, y a pas de mob ici. Enfin, de mémoire, y a pas de mob. Donc c'est cool, moi ça me plaît. Les mobs ils sont pas gentils. C'est quoi ça? Ok. Ok. Avec une lumière bleue autour, à mon avis ça doit servir à quelque chose. Ah! Oh! Ok, d'accord. Ah. Bon, je sais pas comment ça marche ce truc. Tada. Voilà. Oh. Est-ce que ça, ça marche? Au pire, de toute façon, je peux faire ça comme je veux. J'ai le temps. Il est bloqué dans sa position. Ok. Ok. Alors je crois que je commence à me souvenir. Donc ceux-là ils sont bloqués. Donc je suppose que ça a l'air d'être symétrique par rapport à là. Avec ça. Hop. Donc celui-là là, celui-là là et celui-là là. Ok. Donc celui tout à droite c'est le plus bas. Celui-là, je le monte d'un cran. Celui du milieu, de deux crans. Oh. Yes, ça. Ok. Ah. Ça l'a bloqué. C'est bien ça. Ok, ok, ok. Donc alors. Ah. Dégage-toi en fait. Tu me gênes. Ça marche ça au moins? Ouais, ça marche. Ok. J'ai eu peur quand j'ai vu le truc tomber d'un coup. Bon, 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 bon. Ok. Manivelle en bois. Ça, ça servira à un moment, je suppose.
quoi d'autre? Là il y a une lanterne, là il n'y a rien, ok. Ça. Ok. Ça c'est. Ok. Bon, ça a l'air encore. Ça va encore être une énigme. Il y a encore un autre truc là-bas. On va commencer par ça ici. Ah oh. Il est tout enfoncé. Ah, une note. Ok, vous faites pause et lisez parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Ça. Ça se trouve, ça expliquait comment ça marchait. Ok, je suppose que là c'est bloqué. Hein, comme par hasard. Donc, alors, faut arriver à. Ah, le mettre. Alors, je pense qu'il faut le mettre comme l'autre en face, donc à ce qu'il soit enfoncé. Donc, alors, celui-là, ça a baissé, celui-là aussi, celui-là, ça le montait. Donc, si on le monte, ça le baisse, et celui-là, si on le monte, ça devrait le baisser aussi. Oh! Trop facile. Alors, il y a plein de morceaux de tuyaux ramassés un petit peu. Daniel, is that you? What are you doing? Je suis pas sûr d'avoir compris ce qui vient de se passer. Ah, là il y a des trucs dedans. Ah non, il y a rien. Ok, alors. Ok, ok. Oh. Je suppose qu'il faut encore reproduire le symétrique. Ah, et ça sert à ça. Ok. Ok, c'est bon. Bon, faut que je ramène les morceaux de tuyaux. J'ai pigé. Alors toi, tu viens là. C'est pas suffisant le halo bleu pour dire « Hey, c'est utile pour une énigme !» Alors toi, tu vas là. Ok. Non, je vais tout récupérer. Est-ce qu'il y en avait un ici? Est-ce qu'il y en avait un ici? Non, ça n'a pas l'air. Ok, alors. Là-dedans, il y en avait un. Voilà. Ah, il y en avait un. Ok. Allez, ouvre-toi, s'il te plaît. Ok, alors, et je pense que doit y en avoir un petit dernier quelque part. Non. Oh, bon, on va voir déjà avec ça. Attends, je revérifie ici. Non, ça a l'air de. Ok. Non, ouvre-toi. Voilà, merci. Je t'ai foutu où l'autre œil là. Ok, bon, celui-là. Je peux l'enlever là. Avis, le plus large, ça va être celui à placer en dernier. Ok. Bon. Maintenant. Ok, donc il en faut. Celui-là, ça serait bien ici. Voilà. Ok. Ah, on a que cela. Donc. Celui-là. Ça serait ici. Non. Pas ça. Ah si, ouais, si, ça marche aussi. Ok. Et celui-là, hop, pour l'horizontale. Voilà. Nickel. Bon, ça aurait marché dans les deux sens, je pense. Ah, quoique, pas forcément. Ok. Bon. Et maintenant? Ah non, je me suis planté. Voilà, celui-là, c'est là. Voilà. Yes. Super. Super. Ben, je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire ici. Ah. Oh.
Ah, c'est con ça. Merde, je fais comment alors? C'est pas un truc cassé, irréparable. Ah. Deux petits malins. Voilà. Toi, rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Bon bah on va pouvoir faire la suite. Ok. Trop facile. Je sais pas ce que c'est la suite, mais... ça a dû, hop, enlever l'eau en bas. Aïe. Ah, ça avait mal. Ah mais non, mais y a encore plus d'eau là. Ah non, il y en a autant. Ok. Bah non alors, c'est pas ça. Merde, c'est quoi? Ah non, il y avait des leviers. Il y avait des leviers là. Oui, je me souviens. Ok. Hop. Voilà. On va activer les leviers. On va activer les leviers. Tada! Bah nickel, on va activer l'autre. Ça se voit. Fait. Ah. Ah. Bon bah au moins ça règle le problème hein. Et qu'est-ce endroit où je peux aller pour l'instant? C'est quoi ça? Réservoir. On était pas déjà dans le réservoir? Non, je sais pas. Ah, puiser leur puissance. Alors ça c'est pas... Oh non. Ah oui, je me souviens de... Oh non, je me souviens de cet endroit. Y'a pas le monstre? Non, y'a pas le monstre. Aïe. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like to drink. Eh well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mills. Ah. Exactly. Par contre, hop, si je pouvais avoir un petit peu de lumière, ce serait pas de refus. Merci. Voilà, merci de me laisser courir. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir le mob aquatique, ce qui est pas plus mal. Est-ce qu'on peut sauter par là? Par là, on peut sauter, je pense. Oh. Ok. Ok, bon. Alors, ah, et par là on peut accéder de toute façon, je n'ai pas besoin de sauter. De l'huile! Non, à travers la grande chambre. Y'a quelqu'un là-dedans? C'est pas cool, pas cool du tout ça. Bon. Alors, hop. Look. Non, 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 me dis pas qu'il est là! Quoi ça? Ah. Il ne fait aucun doute qu'Alexandre mise beaucoup d'espoir sur ce que je peux uniquement décrire comme maison de la magie. Je ne suis pas étonné, en voyageant à travers l'Europe, j'avais déjà envisagé l'idée que je pourrais embrasser le surnaturel pour pouvoir sauver mon esprit et ma vie. Tant que novice, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour rester concentré et ne pas me laisser emporter par mes doutes. Alexandre m'a réveillé tôt ce matin pour me dire qu'il était temps de se mettre au travail. Il était visiblement excité à l'idée de pouvoir avancer et nous sommes dirigés en bas vers l'ancien cachot où il préfère mener ses rituels. Il s'est avéré qu'Alexandre est un véritable homme de la Renaissance, uniquement égalé, j'en suis sûr, par David. Il m'a montré plusieurs salles équipées pour répondre aux nécessités de mes recherches spécifiques, telles que des études d'anatomie, d'alchimie et de botanique. La couronne de Brandenburg doit être le sanctuaire intérieur, une terre sacrée où nous devons essayer de bannir l'ombre de l'or. Touk, je sais pas ce que ça fait. Mais je l'active, ok. Je sais pas ce que ça a fait. Mais je l'ai fait. Ah. Il n'y a pas l'air d'y avoir de créatures particulières ici. Je vous mets un petit peu de lumière quand même. Hop.
Par contre, ouais, non, la lumière a pas l'air d'être particulièrement gênante. Ah oui, aha, ce passage là, j'ai mis tellement longtemps avant de savoir quoi faire. Heureusement, je m'en souviens, ça m'a marqué. En fait, ça, c'est assez fragile, donc il y a juste à balancer un caillou. Tiou. Mais j'ai galéré pendant je sais pas combien de temps la première fois. Oups. Ok. Donc heureusement, hop, je vous épargne la galère. Un nouveau texte. Je ne pouvais jamais être vraiment sûr d'être sur le bon chemin. En utilisant mon orbe, Alexandre a réussi à propager son pouvoir sur nous. Le sanctuaire intérieur s'est embrasé d'une lumière bleue ardente et je pouvais sentir les mêmes sensations que lorsque j'avais été fait prisonnier dans la chambre noire d'Algérie. C'était comme être pris au milieu d'un tourbillon fou d'impressions. C'était terrifiant, mais Alexandre a gardé tout son calme et a utilisé des outils scientifiques étranges pour dominer la tourmente. Soudainement, la lumière bleue était alors ternie de taches rouges et les murs se sont mis à palpiter en osmose avec le reste de la scène. Alexandre a rapidement recouvert l'orbe d'une sorte de tissu et la chose indescriptible a alors disparu. Apparemment, l'ombre de l'orbe est plus proche que tu ne penses, Alexandre. Il m'a dit que je devais me préparer pour un rituel de protection demain. Je ne suis pas bien sûr de ce qu'il en attend, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je pense que tu as raison d'avoir un mauvais pressentiment. Bon, on active ça. Je passe par là parce que j'ai pas envie de sauter partout. Par contre, plus grand chose. Non. J'ai cru qu'il y avait le monstre. Ah, là. Aïe. Ah, ça fait mal ça. Ok. Ok. J'étais trop lent. C'est pour ça. Hop. Et voilà, je suis passé par là. Non. Ah bah au moins ça a désactivé ça, ça c'est cool. Ok. Bon. Ok. Il est là. Ce satané monstre est là. Ah bah merde, je suis bête, putain, je l'avais même pas vu. Il est encore tôt et l'accent est occupé à la préparation de son rituel qui aura lieu plus tard dans la journée. De le voir travailler autant m'amène à me poser la question. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a à gagner? Je sais bien que tout ça l'intéresse, mais il doit y avoir quelque chose d'autre. Est-il si fou au point de vouloir apprivoiser l'orbe? Je dois bien admettre qu'hier, lorsqu'Alexandre a inondé le sanctuaire intérieur de cette lumière bleue, j'ai réalisé que nous avions à peine imaginé le véritable pouvoir que pouvait avoir l'orbe. Il pourrait s'agir de bien plus que d'échapper à une ombre. Ça pourrait être le début de quelque chose de vraiment extraordinaire. Bon, allez hop, le dernier. Plus de vent, plus de lumière. Par contre, je le sens pas. Je suis à peu près sûr qu'il va y avoir une créature. Non? Ah non, même pas. Ah si. On dirait bien. Hein. La créature de l'eau. Non, elle est pas là. Ok, elle est pas là, la créature de l'eau. Bon bah nickel. Hop, je vais pouvoir ressortir. J'entre dans le réservoir. Parfait. Pour l'instant. Moi j'ai eu chaud. Bon, alors, je pense pas que ça je puisse y faire quoi que ce soit encore. Mais là, l'eau a dû descendre. Ouais, l'eau est descendue. Ah. Oh. Je pense que je peux pas aller là. Ah ouais, ok. Je ne vais pas là. Ah là 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 là, je ne vais pas là encore. Ok, bon. On a réglé le problème de l'eau, mais il parlait d'un champignon. Alors, il faut que je règle ça. Une bonne fois pour toutes, ce problème. De ce champignon toxique. Un coup de pouce. Un coup de marteau, ça le fait. Est-ce que si je prends une brique, est-ce que ça le fait? Non, parce que le coup. Pas forcément une brique, mais un caillou. Une brique. Ouais, je prends une brique. Allez hop.
Ok, faut que j'arrive à le monter. Aïe. Ça va, ça me fait pas mal. Hop. Ouais, c'est bon, ça passe. Rien ne vaut une bonne brique. Si je te tape dessus avec... Non, ça n'a pas l'air de marcher, les briques. Non. Pousser. Ok, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Pousser. À mon avis, c'est là. La réponse est là. Juste un caillou, ça peut suffire. Je vais prendre juste un caillou. Si ça se trouve, la brique ça va pas, mais le caillou ça va. Ça peut être aussi débile que ça. Hop. Oh, mais je deviens bon en lancer de cailloux et. Pousser. Qu'est-ce que ça peut être? Parce que dans le coup, je vois pas. Ah, mais non! Haha! Je suis con! Ici! Balancer le caillou. Ah là là. Bon. Eh ben on va à la morgue. Je pense que c'est là qu'on va choper l'antidote. J'espère qu'il n'y a pas de mobs. Dans une morgue. Mais qu'est-ce que je crois? Bien sûr qu'il y aura des mobs. Hop. Eh ben vous savez quoi? La morgue, on va le faire dans le prochain épisode. J'allume là. Tada. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, okay. Let's. Where to? Just cool. Down the corridor, to the morgue. Ah bon, pour avoir un peu la paix, dead men there. You did okay. Well, Daniel. Come. Let's get going. Je me souviens plus ce qu'ils ont fait pour chasser l'ombre. Mais à mon avis, ça doit pas être cool. Du tout. Bon, ben on va se laisser là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit thumb up, à partager la vidéo, à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé, etc. etc. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, see you!